pays un vampire du nom de Vanitas, que tout le monde détestait. D'ordinaire, les vampires naissent uniquement les soirs en pleine lune, quand celle-ci brille d'un rouge sanglant. Le soir de la naissance de Vanitas, pour son malheur, la lune était bleue, digne de mauvais augure par excellence. Souscrivé tant Vanitas qu'ils finirent par le chasser de son village. Il n'eut d'autre choix que d'errer dans la forêt, frappé par la neige, bravant le froid et l'obscurité. Combien de temps marcha-t-il ainsi? Alors qu'il se fit une promesse. Un jour, il se vengerait de tous ces maudits vampires, eunés sous une lune rouge. Attaque à l'attention des vampires! Je suis Vanitas! C'est le vampire de la lune bleue en personne qui m'a légué ce nom et ce livre, même si je ne suis qu'un simple humain. Tout d'abord, en guise d'introduction, je vais vous prouver que je suis bel et bien du clan de la lune bleue. Ouvrez grand les yeux! Regardez! En voici la preuve! Ai-je besoin de préciser qui a posé sa marque ainsi sur moi? Vous devez déjà avoir tous compris. Votre instinct doit vous crier son identité. Aucun doute ne peut planer sur qui m'a transmis ce pouvoir. Je n'ai pas encore terminé. Voici le livre de Vanitas. Un grimoire maudit qui peut en un instant vous plonger dans le plus profond du désespoir et vous infliger un supplice pire que la mort en déformant votre nom véritable. Mais n'ayez crainte, mes braves. Vous n'avez pas à avoir peur de moi. Au contraire, estimez-vous heureux que je sois là. Je fais partie du clan de la lune bleue, certes, c'est un fait. Mais entre mes mains, ce grimoire n'est pas une arme. Je ne l'utiliserai pas pour votre extermination, mais pour votre salut. La seule humiliation que vous aurez à subir, c'est d'attendre en frémissant qu'un simple humain vienne vous guérir. Car je me fiche de savoir ce que les vampires pensent de tout cela. Je vous sauverai quoi qu'il en coûte jusqu'au dernier. Et pourquoi? La raison est très simple. Pour accomplir ma vengeance envers Vanitas. Allez!